fait tcha 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 tcha. Et où l'avez mis sa vie? Mon cher. Bonsoir les amis. Les amis, je sais que ça va. Hein. Bonne nouvelle du côté d'Abidjan. Oui, vous rappelez du frère Alexandre Abi, là, celui-là même qui était au marché Gouraud en train de lutter, vendre des piments. On a parlé de sa vidéo ici. Voilà. Ce jeune-là qui lui-même est aussi répétiteur, il est aussi étudiant en géographie, tout ça. Ah, en tout cas, bonne nouvelle pour lui. Bonne nouvelle. Je vous lis quelque chose là. Et oui, comme vous le savez, suite à son reportage sur RTI Info, là, voilà, il a été reçu par M. Stéphane Akpané. Voilà. Et M. Stéphane Akpané lui a demandé ceci. Et oui, M. Trabi, quel est votre rêve? Vous allez voir la réponse. Et oui, mon rêve est d'avoir des millions pour réaliser mon projet de digitalisation de mon commerce. Aider ma famille et les gens qui n'ont pas assez de moyens comme moi. Et donc, Alexandre répond. Il dit, le monsieur lui a dit ceci. J'admire votre courage. Je vous donne la somme de 1 million de francs CFA pour intégrer dans le club des millionnaires. Le mythe du million étant brisé, visez désormais le milliard, visez grand. Continuez de croire en vous, foncez, car le monde a besoin des gens comme toi. Mes bureaux resteront toujours ouverts pour vous. Que Dieu vous aide à faire bon usage de ce don. Et oui, et oui, et oui. Et donc le jeune Trabi dit que le geste a... du boss là, l'a vraiment, vraiment touché et donc il est motivé davantage et il aimerait lui dire merci. Et donc moi, en tout cas, je suis allé plus loin, j'ai contacté encore le frère et puisqu'on est toujours en contact et je lui ai dit, mais mon frère Trabi, qu'est-ce que tu penses vraiment de cette situation-là? Comment tu te sens? Écoutez sa réponse. Vraiment, 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 dire que comment je me sens. Je peux dire, je me sens waouh. Ben, voilà. On ne peut pas mesurer l'émotion actuellement, moi. Il faut dire que ça m'a beaucoup dépassé. Je m'y attendais pas à ça. C'était une surprise, au fait. C'était vraiment une surprise, tout ça. Donc, dès que j'ai reçu cette somme, je me suis dit qu'il y a toujours un Dieu, point pouf. Donc, ça m'a donné encore le courage de pouvoir continuer mon projet, pour la réalisation de mon projet. Déjà, je vais vous envoyer le lien de ce que j'ai conçu d'abord. Donc, d'ici la semaine prochaine, ça sera disponible sur Play Store déjà. Donc, tous ceux qui veulent aussi faire des gestes, qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas qu'ils mettent en tête que je vais les trahir ou bien je vais bouffer l'argent ou bien non. Il ne faut pas penser ainsi, mais ce qu'ils doivent penser, est-ce que je peux faire quelque chose de mieux avec? Oui, les frères, les sœurs, tous ceux qui ont fait parler leur cœur, je vous dis un grand merci. Ne vous découragez pas, si vous voulez continuer, mais je vais vous étonner. Quand je dis je vais vous étonner, ça veut dire que je vais révolutionner le marché en Côte d'Ivoire. Et c'est en train d'être fait. Pour le moment, je ne veux pas dire le nom de l'entreprise ou bien ce que j'ai fait pour le moment. Mais il faut dire que dès la semaine prochaine, vous allez voir un peu ce que j'ai fait avec votre argent. Voilà, vous allez voir un peu. Voilà, je refuse d'être le doux-boutique de ma famille. Vraiment, merci à vous et puis je vous aime beaucoup. Merci, merci à toi le frère, c'est un bel exemple. Les amis, donc vous avez entendu le frère, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des jeunes en Côte d'Ivoire qui sont prêts à entreprendre, voilà, qui sont prêts à se battre. Parce qu'il ne sert à rien de dire j'ai envie de faire quelque chose, mais on ne se bat pas. Donc il faut se battre, il faut commencer quelque part pour arriver loin. Voilà un exemple. Donc les amis, nous allons terminer notre vidéo avec Monsieur Vincent Toby qui a été vraiment recruté en qualité d'expert de l'ONU en matière de processus électoral pour la Nouvelle-Calédonie.
Voilà, si vous ne savez pas où est située la Nouvelle-Calédonie, je vous donne un peu quelques informations dessus. Eh oui, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français constitué de dizaines d'îles, dont le Pacifique Sud. Elle est réputée pour ses plages bordées de palmiers et son lagon propice au développement de la vie marine qui, avec ses 24 000 km², fait partie des plus grands au monde. Une immense barrière de corail entoure l'île principale, la Grande Terre, destination prisée pour la plongée sous-marine. Nouméa, la capitale, abrite des restaurants d'influence française et des boutiques de luxe à la mode de Paris. Donc voilà un peu, les amis, la Nouvelle-Calédonie. Et notre préfet, il est avant d'être préfet d'Abidjan, C'est le travail. qu'il faisait, n'est-ce pas? C'est le travail qu'il faisait. Et donc, il retourne encore à l'ONU. C'est tout. Donc, les amis, je vous laisse. J'espère que votre journée se passe bien. Donc, je vais vous laisser, les amis. Si tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, bonne arrivée. Merci d'être là. Je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, n'hésitez pas vraiment à entreprendre. La vie qui est là, c'est tout qui est là. Aussi, vous avez une idée en tête, foncez. Ne dites pas non, j'ai fait demain. Non, c'est pas un hasard si quelque chose, une idée vous vient en tête. D'accord? Donc, courage à vous et que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt. Bye bye. Dans la vie, là, chacun a son tour. Chacun a son tour. Dans la vie, là, chacun a son tour. Y'a pas de son métier. Dans la vie, là, chacun a son tour. Un bon matin, j'appelle papa et maman. Maman, oh yeah. Chérie, je vais te parler. Oh, papa, oh, papa, oh, je vais te parler.